Scénariste Ahmed Anka, avec la présence de Vahid Jalilva, Rahim Norouzi, Borzou Archmand, Mohamed Reza Davoud Neger, Shabnam Kolikani, Machere Khalili, Sarah Kouinia, et avec Wishka Asaïch, Farad Kaimian, Dariush Karna et Hassan Bourchirazi. Traducteur Babak Ershadi. Éditrice Anaïs Empartian. Prise de son et mixage Ahmed Reza Pakzad et Ali Reza Pakzad. Musique Karen Emaunfa. Chef de prise de vue, Ibrahim Kafouri. Chef de doublage, Mohamed Karimian. Une échelle vers le ciel. Réalisateur, Mohamed Hossein Latifi. Je suis le chef de la tribu Ashugala. Ne doutez pas de la véracité de ma parole. Ces jours-ci, vous fréquentez une femme très vertueuse en apparence. Vous causez avec elle et elle vous fait des cours. Vous savez très bien qu'elle est très proche de Riyasuddin. Et alors ? Et alors, je te dis, c'est bien elle. As-tu des preuves pour cette grande prétention? Si je comprends que tu montes un complot, sache que tu seras certainement condamné à mort. Tes accusations contre Riyasuddin et les siennes ne me semblent pas du tout logiques. C'est un objet unique qui a utilisé pour acheter un poignard empoisonné. Si vous aviez confiance en votre humble épouse pour lui partager vos secrets et vos préoccupations. Le traître était si proche de nous, mais je ne le voyais pas. Depuis des années, dès l'arrivée de ces gens venus de Cachan, je savais qu'ils étaient tous malveillants. Tu l'avais dit, mais je croyais que ce n'était qu'une jalousie féminine. Pourquoi tant de tolérance pour eux? Exécute le Yassa pour donner une leçon à tous les malveillants. La préparation de la table astronomique dépend du calcul du premier degré.
Sinon, nos efforts de toutes ces années seraient inutiles. C'est seulement lui qui en est capable. La douceur de cette rencontre disparaît avec l'amertume de votre départ. Pourquoi vous vous empressez à partir? Je fais ce voyage pour accomplir un devoir, pas pour ses dehors ou ses amertumes. Je t'avais toujours dit que la vie à la cour est dangereuse. Notamment après le procès pour te condamner d'anathème. Dieu soit loué, tu en as été honorablement. Mais le danger te menace toujours. Tu dois prendre soin de toi. Mais Olorbeg... Ce sont des gens capricieux. Ils peuvent changer d'avis. Si tu peux faire confiance au ciel orageux du printemps, tu pourras leur faire confiance aussi. Après avoir résolu ce problème, je reviendrai à Cachan. Je n'attendrai pas le départ. Que Dieu le veut, je serai en vie. Et je vous attendrai, bien sûr. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Adieu. Au revoir, frère. Au revoir. Au revoir. Les travaux de la construction de l'observatoire ont duré trop longtemps. Mais finalement, c'est fini grâce aux efforts de vous tous. Aujourd'hui, je veux que l'observatoire soit opérationnel le plus tôt possible, afin que nous puissions établir une table astronomique parfaite et sans faute. Vous confirmez tous que cela exige de nouveaux calculs. J'ai décidé de m'occuper moi-même du calcul du premier degré. Mais je vous demande de m'aider dans cette entreprise. Vous avez donc une semaine pour résoudre ce problème. Si je trouve moi-même la réponse, vous n'aurez rien. Mais si quelqu'un arrive à résoudre le problème plus tôt que moi, il aura l'honneur dans les observations et l'établissement de la table, qui sera baptisée la table de l'Orbeig, de ma compagnie. Les autres rentreront chez eux. Thank you.
rapport à la corde inconnue, à l'arc d'en face est de 2 degrés. Sa quantité par rapport au rayon supposait 60 et petite. Son cube est donc proportionnellement plus petit. Cela est divisé en deux chiffres supérieurs dans le premier approchement. Il est donc logique de s'en passer. Tu dois extraire donc la valeur relative du premier chiffre, 60. Ensuite, pour mesurer la valeur relative du deuxième chiffre, mets le cube du premier chiffre dans l'équation et extrait-le. Avec l'ensemble des deux chiffres, trouve ensuite le troisième chiffre, ainsi de suite. Le résultat, c'est l'angle des 2 degrés. Sa moitié est la moitié du problème qui reste irrésolu jusqu'à ce jour. Monsieur, il sera bientôt l'aube. Levez-vous, monsieur. Qu'est-ce ? C'est déjà l'aube. Prenez quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? 0, 1, 7, 4, 5, 4, 4, 0, 6, 14. Je ne dormais pas. Dormir? Enfin, après plusieurs jours, Jamshid est sorti aujourd'hui de l'observatoire et il est allé joyeusement à la ville. Il est allé au banc public aussi. Oh mon Dieu, mon enfant va mourir! Attendez un instant, madame, Jamshid. Mon enfant va mourir, oh mon Dieu, aidez-moi! Quand ça sera fini, nous rentrerons à Cachan. Le vizir Kadjetakhan.
Il y a sans doute quelque chose de très important pour que vous soyez venu en personne à l'observatoire. Le prince est curieux de savoir si vous avez réussi à résoudre le problème ou non. Tiens, tiens. Il en est curieux. J'irai moi-même lui expliquer cela plus tard. Il vaut mieux que vous le fassiez maintenant. Je vous demande pardon. Je vois parmi vous un visage familier qui n'a rien à voir avec aux courtisans et aux grands. Avez-vous encore le collier que le prince vous avait offert? L'avez-vous peut-être vendu pour acheter un poignard empoisonné, hein? Où est le collier donc? Viens avec moi. Je dois rencontrer le prince. L'histoire de Jamshid et Olokbek est déjà finie. C'est la fin de cette ligne. Comme se sont mal écrites ces pages. J'entends le bruit des chacals et des hiboux. Tu es très crédule pour croire que les affaires d'État, que les affaires politiques peuvent être gérées par ces jouets ou pendant les fêtes. Si on s'était contenté des étoiles et du ciel, l'État aurait été déjà renversé et les gens auraient dû mourir de faim dans le désert. Je suis désolé pour des gens qui dorment sur leurs deux oreilles, en ayant confiance en un homme comme vous. S'il n'y avait pas des gens comme moi, tout aurait été en désordre. La politique de ce pays dépend des gens comme moi. Si la politique avait été confiée aux fous comme toi, la cour n'aurait plus existé aujourd'hui. Tu as raison. Cette cour a été consolidée par un homme comme Kadje Nasireddin pour qu'un malhonnête comme toi devienne vizir. Sois sincère. L'habit de Kadje Nasireddin ne te va pas du tout. La postérité le jugera. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Je t'attends dehors. J'attendais ce moment depuis des années. Quelle est la punition pour un traître? Quelle est la punition d'un traître, je te dis? Hein? Pardonne-moi, je t'en prie. Je t'en supplie, Ousmane. Oh, Ousmane, c'est moi, c'est Aïbanou. Je t'en supplie, pardonne-moi. S'il te plaît. C'est bien, très bien. Je l'ai bien apprécié. Il est rare qu'un savant se batte si bien. Si tu étais mon soldat, tu gagnerais plus d'argent, tu sais. Que Dieu te maudisse! Que Dieu te maudisse, Ordal! Tu m'as fait salir les mains par le sang. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Finissez-le. Don't be
Alouette. Va-t'en ! Je t'en supplie, va-t'en. Va-t'en. Ne bouge pas de là. Yeah!
tranquille, grâce à ton Seigneur. Retourne vers ton Créateur, alors que ton âme est agréante, agréante, agréée. Entre donc parmi mes serviteurs dévoués et entre dans mon paradis.